أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله. إذن هذا التمرين موجه لتلاميذ التالتة إعدادي، دونك أوبسيون فرونسي أوردر إي أوبيراسيون. دونك ديتيرميني لي سين دو أ إي بي إي لي كومباري دون لي كا سويفون. دونك أ دون لو كا دونك جي أ إيكال دو راسين دو سات موان سانك، B égale à 3 racines de 7 moins 7. Deuxième cas, A égale à 2 racines de 7 moins 5. B égale à 8 moins 3 racines de 7. Troisième cas, A égale à 3 racines de 2 moins 1 sur 3 racines de 2. B égale à 5 moins 3 racines de 2 sur racines de 2 moins 1. Et le quatrième cas, A égale à 7 racine de 3 moins 6 et B égale à 5 racine de 5 moins 6. Donc, faire pause à cette vidéo, calculer-les et donc faire cet exercice et on passe à la correction. Donc, on détermine le signe de 2, 2a égale à 2 racine de 7 moins 5. Donc, le signe de cette différence. Donc, premièrement, j'ai 2 racines de 7 et 5. Donc, j'en compare entre les 2 racines de 7 et 5. Donc, je fais le carré de 2 racines de 7 égale à combien? Donc, c'est 2 au carré. Donc, c'est 2 au carré fois racine de 7 au carré. Donc, c'est 4 fois 7 qui égale à 28. Maintenant, 5 au carré égale à 25. Donc 2 racine de 7 au carré est supérieur à 5 au carré. Dans ce cas, donc 2 racine de 7 est supérieur à 5. Donc, je peux que 2 racine de 7 moins 5 est supérieur à 0. Donc A, dans ce cas, est positif. Donc, pour B, donc j'ai B égale à 3 racine de 7 moins 7. Donc, je compare entre 3 racine de 7 et 7. Donc, et 7. Donc, si 3 racine de 7 il est plus grand que 7, on dit que B est positif. Donc, je calcule le carré. Dans ce cas, je calcule le carré de 3 racines de 7. Donc, c'est 3 au carré fois 7 racines de 7 au carré qui est égal à 7. Donc, c'est 9 fois 7. Donc, c'est 63. Ça, c'est égal à 63. Donc, 7 au carré qui est égal à 49. Donc, 67. Donc, 63 est supérieur. Donc, il est supérieur à 49. Dans ce cas, B est positif. Donc, c'est 49. Donc, dans ce cas, B est positif. Donc, B est positif. Donc, supérieur ou égal à 0. Maintenant, je compare entre A et B. Donc, j'ai A égale à 2 racines de 7 moins 5. Donc, l'idée est de 2 racines de 7. Et j'ai B égale 3 racines de 7 moins 7. Donc, si je fais la différence entre A et B, donc A moins B égale, donc si A égale à 2 racines de 7 moins 5, moins, j'ouvre la parenthèse, moins B, donc c'est 3 racines de 7, moins 7, ça égale, donc on a l'idée qui est ça, il y a 2 racines de 7, moins 5, moins, donc j'ouvre les parenthèses, donc j'enlève les parenthèses maintenant, donc c'est moins 3 racines de 7, moins moins, c'est plus, ok, j'ai maintenant, donc 2 racines de 7,
moins 3 racine de 7 égale à moins racine de 7. Maintenant, moins 5 plus 7 égale plus 2. Voilà. Donc, A moins B égale, c'est 2, ça égale à 2 moins racine de 7. Donc maintenant, je peux comparer entre 2 et racine de 3. Pardon, et racine de 7. Donc je sais que racine de 7 est supérieure, donc c'est supérieur à 2, mais donc je peux comparer le carré de ça. Donc le carré de 2, c'est 4. Le carré de moins de racine de 7, c'est 7. Donc bien sûr, donc ça, c'est le plus grand, donc ça est négatif. Donc A moins B est négatif alors que A est inférieur à B. Donc dans ce cas, A est inférieur à B. Donc 2 racines de 7 moins 5 est inférieur à 3 racines de 7 moins 7. Voilà la comparaison. Donc je fais la différence entre A et B. Donc ici, donc A égale, donc j'ai calculé que A est positif dans le cas, donc c'est même A. Donc A est positif, donc on a calculé que A est positif. Maintenant, on va étudier le signe de B. Donc je compare entre 8 et 3 racines de 7. Donc je passe au carré, donc le carré de 8 au carré, donc c'est 3 racines de 7 au carré. Le carré, donc puisque B, donc puisque A, dans ce cas, 8 et 3 racines de 7, ce sont positifs, donc je passe au carré, donc 8 au carré égale à 64, 3 racines de 7, c'est au carré, donc c'est 3 au carré, c'est 9, fois racine de 7 au carré, qui égale à 7. 9, donc c'est 63. Dans ce cas, donc 64 est supérieur à 63, donc B est positif aussi. Donc B est positif. Donc les deux sont positifs. Donc A égale 2 racines de 7 moins 5 et B égale 8 moins 3 racines de 7. Donc, je veux comparer entre les deux. Donc, je fais la différence de A moins B égale. Donc, A moins B, donc c'est 2 moins 5 moins, j'ouvre la parenthèse, la parenthèse, 8 moins 3, donc 8 moins 3 racines de 7. C'est bien, donc maintenant c'est 2 racine de 7 moins 5. Maintenant j'ouvre la parenthèse. Donc c'est moins 8. Ça c'est moins 8. Moins c'est plus 3 racine de 7. Donc les parenthèses précédées par le signe moins. Donc les termes changent de signe. Quand on dit plus 8, on dit moins 8. Donc voilà, moins 8. Quand on dit moins 3 racines de 7, on dit plus 3 racines de 7. C'est comme moins fois plus, moins fois moins, donc c'est plus. Dans ce cas, donc c'est 2, donc j'ai 2 racines de 7 plus 3 racines de 7, c'est 2 plus 3 qui est égal à 5, donc c'est 5 racines de 7. Moins, maintenant, 5. Il dit, et 8, donc c'est moins 13. OK? Donc c'est moins 13. Donc A moins B égale à moins 13. Maintenant, il est difficile de dire que 5 racine de 7, il est supérieur ou inférieur à 13. Donc je ne veux pas. Maintenant, j'enlève. Donc ça, A moins B égale, on ajoute 5 racine de 7 moins 13. Donc, on chauffe l'adad. Donc, maintenant, je fais le carré de ce nombre et le carré de 13. Donc, c'est le carré de 13.
Donc, je sais le 13, donc c'est 169. Ça, c'est donc c'est 25 fois 7. Donc, fois 7, donc 7, c'est 35, donc 10, 135. Donc, voilà, 135 est inférieur à 169. On dit que A moins B est négatif. Donc, puisque donc A moins B est négatif alors que A le plus petit. Donc, j'ai trouvé que A moins B inférieur à 0 alors que A inférieur à B. Dans ce cas, 2 racines de 7 moins 5 est inférieur à 8 moins 3 racines de 7. Hein, la loi de dette, la comparaison. Donc, même procédure. Maintenant, on passe au troisième cas. Donc, A égale à 3 racines de 2 moins 1 sur 3 racines de 2. Donc, regardez ici, 3 racines de 2 moins 1 est positif. Donc, ça, c'est un nombre positif. Donc, ça, c'est supérieur à 1. Donc, regardez, 3 racines de 2 moins 1. Ici, c'est 3 racines de 2. Donc, 3 racines de 2 moins 1 est un nombre inférieur à 3 racines de 2. Pourquoi le leader? Donc, 4 fois, on a. Donc, tu as 3 racines. Donc, pourquoi? Parce que 3 racines de 2 moins 1, il a 3 racines de 2. Et dans le ratio, on a moins 1. Donc, on serait, donc, on serait, puisque la différence est un nombre négatif. Donc, ça est inférieur à ça. OK. Donc, A, dans ce cas, A est inférieur ou égal à 1. A est inférieur ou égal à 1. Maintenant, je fais B. B, donc c'est 5 moins racine de 3 sur 2 sur racine de 2 moins 1. Maintenant, on réchauffe. On réchauffe A. Donc, on réchauffe B. Donc, 5 moins racine de 3 sur 2. Et je la compare avec racine de 2 moins 1. Donc, j'ai 5 moins 3 racines de 2. Donc, on a dit rationnel, qu'on chauffe numérateur, mais dénominateur. Donc, c'est moins racine de 2, moins, donc c'est plus. Plus 1. Ça égale, donc, c'est 6 moins 4 racines de 2. Donc, 6 moins 2. Donc, je compare les deux, donc dans ce cas, donc 6 moins 4 racines de 2, donc le carré de 6 c'est 36, le carré de 4 c'est 16 fois racine de 2 au carré c'est 2, donc ça c'est 32, donc 36 moins 32 est égal à 4, donc c'est supérieur à, donc on dit que, donc ça est supérieur à ça, donc alors de que B est supérieur à 1. Donc j'ai trouvé que B, pourquoi? Parce que 5 moins racine de 2 est supérieur à racine de 2 moins 1. Il y a un numérateur supérieur à un dénominateur. Alors que B est un nombre supérieur à 1. Donc supérieur à 1. Pourquoi le leader? Il y a un liquide qu'on a dit. Par exemple, x sur y, gx, x est supérieur à y alors que x sur y est supérieur à 1. C'est ça, donc b est supérieur à 1. Puisque a inférieur à 1 et b est supérieur à 1 alors que a inférieur à 1. Donc, quatrième cas, donc j'ai A égale, donc dans ce cas, donc je calcule le signe, donc je détermine le signe de A, donc ça, donc 7 racine de 3 moins 6, donc je fais le carré de ce nombre, donc c'est 49 fois 3
Ça, c'est 36. Donc, ça se voit qu'elle est positive. Donc, A est positif. B, dans ce cas, donc, pour déterminer le signe de ça, donc, je fais le carré de 5 racines de 5 au carré, qui égale à 25 fois 5. Ça, c'est 36. Ça se voit que ça est positif. Donc, ça, elle est positif. Donc, ça, c'est 36. Ça, c'est positif. Mais regardez, dans ce cas, j'ai A et B sont positifs. Mais j'ai ici, donc j'ai moins 6, moins 6. Regardez. Donc, il suffit de calculer. Donc, A moins B, donc je calcule la différence. Donc, A moins B égale donc 6, 7 racine de 3 moins 6, moins 5 racine de 5 moins 6. Donc ça égale donc si 7 racine de 3 moins 6 moins 5 racine de 5 moins moins c'est plus. Donc moins 6 120. Après il y a 7 racine de 3 moins 5 racine de 5. Dans ce cas, je fais la différence. Donc je calcule la différence. Donc je mets ça au carré. Donc c'est 49 fois 3. Ça c'est 25 fois 5. Donc ça c'est 60. Donc 2, donc c'est 10. 10 plus, donc c'est 125. Donc ça, 3 fois 5 fois 9, c'est 27. 2, donc c'est 12. 12, c'est 140. Voilà, il est positif. Dans ce cas, il est positif. Alors que A est supérieur à B. Donc puisque A moins B supérieur est positif alors que A moins B est positif. Donc mes chers élèves, cette vidéo tient à sa fin. Donc je veux remercier pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos collègues et vos amis et vos proches. Et merci beaucoup.